Nous sommes choisis pour ce grand amour. Sœur Jeanne, notre fondatrice aussi, a été choisie pour un grand amour. Elle aimait tellement ce chant-là, on l'a chanté le jour de ses funérailles. Mais pour toi et pour moi, c'est un chant qui nous propulse vers l'avant. C'est un chant qui nous attache à Jésus et qui nous attache inévitablement à nos frères. Et c'est merveilleux avec la fête d'aujourd'hui, la fête de Saint-Vincent-Paul. La devise de Saint-Vincent-Paul, c'était « faire davantage ». Son cœur brûlant le faisait dire « j'ai peine de votre peine ». Imagine-toi que quand tu as mal en quelque part, quelqu'un t'écoute puis après il dit « j'ai peine de ta peine ». Tu te sens compris, hein? C'est de la compassion. Puis, il disait, « Tous les besoins de mes frères sont pour moi des appels de Dieu. » Et c'est ce que j'ai aimé le plus en Saint-Vincent-Paul après avoir lu sa vie, écouté son film, ce héros de la charité. Ce que j'ai aimé le plus, c'est qu'il ne demeurait indifférent devant aucune misère humaine. Dès qu'il voyait la misère humaine, il intervenait. Il faisait quelque chose. Il a même pris la place des esclaves, les rameurs de bateaux. Il a pris la place d'un, il s'est fait fouetter. Il a travaillé presque jusqu'à en mourir pour remplacer un homme et connaître la misère de ces hommes-là. Quand il trouvait des enfants abandonnés sur le bord de la rue, il les ramassait puis il allait les porter à des femmes patronesses, des femmes plus en moyen. Mais un jour, il a rencontré une dame qui était sur un coin de rue et qui avait autour d'elle des enfants handicapés. Elle les plaçait à différents coins de rue et elle les faisait quêter. Et le soir, elle les ramenait à la maison, mais elle leur donnait vraiment pas grand-chose, mais elle prenait tout l'argent. Alors Saint-Vincent-Paul a fait irruption dans la maison de cette dame. Il a dit, « Madame, tous ces enfants-là qui vous rapportent l'argent, moi je veux les acheter. » Elle a été surprise. Elle a fait un prix. Saint-Vincent-Paul les a tous achetés. Puis après, il est allé les porter à Louise de Marillac et il lui a demandé de fonder une communauté, les filles de Saint-Vincent-Paul, pour s'occuper de ces enfants-là. C'est merveilleux, hein? Et une parole que je retiens aussi beaucoup de lui, c'est une parole qu'il disait à sa novice, une des novices, qu'il voulait lui montrer comment c'était pas facile d'aider les pauvres. Et cette parole-là, je peux te dire que moi, je l'ai reprise à la sauce de ma vie, à l'infirmerie ici, je la fais à tous les matins. Mais je vais te lire la version originale. Elle s'appelait Jeanne. Il dit, « Jeanne, tu verras bientôt que la charité est lourde à porter, bien plus que la soupe et le panier de pain que tu distribues aux pauvres. Mais toi, tu garderas ta douceur et ton sourire. Ce n'est pas tout de donner le bouillon et le pain. Les riches peuvent le faire, eux aussi. Mais toi, tu es petite servante des pauvres, fille de la charité, toujours souriante et de bonne humeur. Ils sont tes maîtres. Tes maîtres parfois susceptibles, exigeants, tu verras. Alors, plus ils seront grogneux, plus ils seront difficiles, plus ils seront injustes et grossiers, plus tu devras leur donner ton amour. » Et écoute la finale. « Ce n'est que par ton amour, pour ton amour seul, que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donnes. »
Il faut que tu deviennes très humble pour pouvoir aider tes frères. C'était tout un homme. Il a aussi fondé une communauté de prêtres parce qu'il voulait que dans les campagnes où les gens étaient plus pauvres, qu'ils aient accès eux aussi à la parole de Dieu, au pain eucharistique. Je vois le temps avancer, je vais aller un peu plus vite parce que moi, Saint-Vincent de Paul, il me passionne. Mais cet amour qu'il avait dans son cœur, cet amour de Jésus qui se nourrissait de sa prière de nuit, il était comme Jésus, il priait la nuit et le jour il allait vers les pauvres. Eh bien, cet amour qui brûlait dans son cœur, il peut brûler dans ton cœur à toi comme dans le mien. Un simple sourire peut avoir dans une institution, dans un RPA, dans une assemblée paroissiale, un simple sourire peut avoir l'effet d'une bombe. Imagine-toi un jeune garçon, un jeune adolescent, un jeune homme qui vit encore dans sa famille et qui dit à sa mère après le souper, « Merci maman, ton repas, il était vraiment bon, il était vraiment mon goût ton repas. » Ça fait une bombe dans une famille. Puis une autre belle petite bombe qui peut se faire à l'intérieur de la vie d'un couple, eh bien, c'est quand, je ne sais pas moi, un époux revient de travailler, il va faire une promenade ou je ne sais quoi, puis il revient juste avec une petite palette de chocolat. Une petite palette de chocolat d'un dollar, deux dollars. Ce n'est pas une grosse boîte de chocolat de 25 dollars pour la Saint-Valentin, mais juste de dire à son époux, j'ai pensé à toi. Hein? Ça fait l'effet d'une bombe d'amour. Eh bien, c'est ça que le Seigneur nous invite à vivre, de penser aux autres, non seulement de donner des choses, mais se donner soi-même, donner son cœur, donner son sourire, donner son temps. Et je termine avec la prière de ce jour. Seigneur, tu as donné au prêtre Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre afin de secourir les pauvres et de former des prêtres. Accorde-nous la même ferveur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Alors voilà, on peut prendre un instant de prière pour demander au Seigneur cette charité brûlante dans notre cœur. Au revoir. À demain. J'ai...